Alors ça fait un peu peur. L'être humain est fait pour se toucher, je pense. Comment faire si on arrête les câlins, arrête les bisous, ne serait-ce que se tenir la main? Quand on postillonne, je pense que ça va peut aller plus loin, quand on tousse, quand on éternue. Avec les patients, je suis forcée d'être à proximité d'eux, je suis forcée de leur toucher la main, de les aider à les relever, de les installer. Le soin en lui-même, forcément, rime avec. Là où, par contre, ça change un petit peu, c'est avec mes collègues où on essaye de bien respecter la distance. Ben, il faudra de la place dans la salle à manger. Comment on va faire pour se réunir autour d'une table? J'espère qu'ils vont prévoir les rallonges. J'espère qu'il fera beau pour qu'on puisse tous être dehors. Alors, en personnalité historique, pardon, qu'est-ce que je vais choisir? Barack Obama, peut-être? Alors après, tout dépend aussi de la distance. Apprendre à connaître mieux nos régions, les régions proches. Un verre de bière pour tous trinquer après les confinements. À la vôtre. Je pratique la course à pied là, autour de chez moi. Je fais le tour du stade. Je me suis mise un peu à l'art plastique. On cultive notre jardin. La revalorisation des salaires, bah déjà des soignants, et puis de tous ceux qui ont continué de travailler pendant ce confinement.